Salut, bonjour. Bon, je constate qu'il y a un délai d'à peu près 2 à 3 secondes entre mes mouvements et l'enregistrement. Enfin, le passage à l'image. Il y a un délai entre l'action et la réception. Alors après, il faudra un délai aussi entre la perception visuelle et la compréhension. Et puis un délai entre la compréhension et la réaction, qui n'étant qu'une réaction, pourrait être orientée. Je vous partage mon écran, ça vous dit? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va voir un truc dont j'avais parlé, remis en doute, qui n'avait pas été soutenu par Kim en plus. Pas vraiment, en fait. Hein. Même si, de temps en temps, j'ai trouvé qu'il y avait des sujets connexes. Et, ben, écoutez, bon, quelque part, ça n'a rien de vraiment très, très, très nouveau pour le côté le plus conspi de mes prédictions, qui n'en sont pas, hein, Description, pardon, voilà. Description de ce qui se passera si rien ne change. Non, je ne vais pas lancer ce programme-là, donc il faut qu'il se vire là. Non, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave, on y va. Donc, c'est les gardiens du Looking Glass. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a ceux qui ont eu accès à ces informations-là à l'époque. Excusez-moi, je vais me rouler une clope en même temps. Et s'ils sont opposés tout en restant infiltrés de manière à ne pas se faire remarquer et néanmoins influencer, enfin, tenter d'influencer sur le déroulement des événements. Je vais vous citer, si possible, les hypothèses qui nous intéressent vraiment, hein, parce que nous dire c'est des fakes, bon, oui, ok, il y a la possibilité du fake, évidemment, ouais. Et il y aurait une explication, qu'effectivement, je m'excuse auprès d'eux, j'ai manqué de confiance. Je resterai méfiant. Mais tous ces hackers dont on dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent alors? Ben, s'ils font quelque chose, ils ne vont pas vous le dire. Si quelque chose se produit qui marche de leur côté, l'État ne va pas vous le dire. Si on est intelligent et qu'on voit que ce n'est qu'une mise en train de la situation de crise sérieuse à venir, ben, sérieuse, hein, entre Terminator et Mad Max, quoi, hein. Et Doomsday, et il y a quelques autres films aussi, hein, sur un fond de peut-être Elysium, mais ça, on s'en fout, ça ne nous regarde plus. Alors, pour ceux qui s'attendent à ça, qui savent qu'on n'est qu'en transition vers ça, si rien ne change. Si rien ne change. Il était intéressant et intelligent de rester camouflé. Donc, ne pas dire non, non, mais on est là. Ah oui, boum. Voilà, hein, vous imaginez bien que. Y a-t-il des résistants? Y a-t-il des maquisards dans la forêt? Ouais, merci. Genre. Bon. Donc voilà, peut-être qu'ils étaient à l'œuvre et qu'ils bossent. On y va. Donc ils ont sorti une autre vidéo. Donc celle-là, je l'ai vue, puis il y a des renvois vers 2 autres vidéos que je n'ai pas encore vues, qu'on peut-être on traduira ensemble. Donc je vous lis déjà ce qui est écrit à l'écran parce que en général, c'est sous-titré ce qu'ils disent, enfin sous-titré. C'est.
C'est écrit en même temps. Mais pas tout le temps. Il y a des choses qu'il ne fait que dire et qui ne sont pas écrites à l'écran. Je tâcherai de ne pas louper, si elles valent le coup. Donc, il y a un nouveau système qui va arriver en ligne, un système financier. Dans un temps de crise, on l'appellera la réponse à la crise, la réaction, quoi, le moyen de s'en sortir. La réponse, hein, il y en a toujours qu'une chez eux. Ah, chez eux. Non, non, j'ai rien dit. Et là, on est en train de parler d'un effondrement complet de l'économie. Bon, rien de nouveau sous le soleil, hein, ça vous prend au nez, tout le monde le sait. Ah oui, et puis alors, je faisais aussi encore, j'avais un encart à faire d'intelligence et de résistance immédiate, quoi. Il y a la version Kim. On n'en a rien à foutre de ce qui est décidé au ministère. On prend directement contact avec les entreprises émettrices des denrées dont on a besoin. En direct. Là, ici, en France, là, les PDG d'entreprises qui ont besoin de matériel qui vient de coin où ça devient difficile de l'avoir ou même impossible, on se moque de la raison pour laquelle ça ne passe plus, et on passe par le contact direct. Les ministres débiles, là, qui prennent des mesures débiles en obéissant débilement à des débiles corrompus et néanmoins à la tête de l'Europe, entre autres, on s'en fiche, on les chante. Moi, je ne suis pas chef d'entreprise, je ne suis pas... Non. Ça ne m'intéresse pas, ce monde-là de connards, global, hein, pas l'entreprise, qui ne réfléchit pas à mettre au boulot dodo, qu'est-ce que je fous sur la planète, c'est même pas à l'ordre du jour. Enfin bon, ça ne me donne pas envie d'adhérer. Hein. C'est la raison pour laquelle j'étais parti en Inde, hein. C'était pour parvenir, en fait, normalement. Hein. Je ne devais pas en revenir, je voulais partir de ce monde de débiles. Quand l'homme commence à obéir à la machine, ce n'est pas possible de continuer à participer à partir du moment où on a un cerveau. Donc, j'avais déjà dit, un des premiers trucs quand j'étais petit qui m'avait interloqué, c'est mon prénom ne rentrait pas dans les cases. Il y a des lettres, je ne pouvais pas mettre toutes les lettres. J'étais... très inquiet. J'étais surpris, j'étais choqué. Je devais me soumettre au nombre de cases qu'il y a sur un bout de papier pour rentrer dans une machine. On ne sait plus écrire à la main, on ne sait plus lire une phrase jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Je devais avoir 8-9 ans. Hein. Ça s'est reproduit après, vers les 15 ans, avec les déclarations à l'URSSAF des paysans et des trucs comme ça. Là. L'URSSAF des paysans s'appelle autrement, mais enfin, c'est pas grave. Parce que mon père m'avait déclaré, oui, comme participant. Bien sûr. Non, bon, écoute, quand on est honnête, on est honnête. Ah ben, irréprochable du coup, quoi. Bon, c'est pas vraiment sa faute. Il n'était pas au courant de tout, mais il était au courant de plein de trucs quand même. D'ailleurs, à la fin, il m'avait dit à mon fils, je suis tellement désolé, en fait, c'est toi qui avais raison. Aïe, aïe, aïe. Je t'aime. Hein. Et ils se foutent de nous. Oh, je vous ai mis ça en vrac. Hein. J'ai fait un Ho'oponopono mélangé. Là. Ils se foutent de nous. Ils voyaient comment il était traité en clinique. Soins... assez intensif, et, ou de long séjour. Et il a dit, mais attends, je n'ai pas vécu toute ma vie pour ça, là. La nana qui s'occupe de moi, elle n'a même pas le BEPS. Elle ne comprend rien quand on lui parle. Elle ne sait rien. Elle n'a aucune discussion. Et elle fait son boulot, mais elle me traite comme nous, on ne traitait pas les poules, quoi. Enfin bon. Ça, c'est au niveau infirmier séjour.
Et au niveau kiné, c'est moi qui lui faisais sa kiné parce que là, ça ressemblait à quelque chose. Donc, en fait, bon, voilà. Hein? Il y en a certains, vraiment, franchement. Enfin, bon, voilà. Tout cela est du vieux temps passé, ça remonte à très loin maintenant. Et donc, ça m'avait inquiété. Rien n'a changé. Donc, continuons. Ils vont laisser tout le monde souffrir pendant un moment. Ça pourrait être quelques mois, peut-être une année, peut-être un peu plus, hein, 18 mois. Hein. Les gens vont être effrayés, désespérés. Les lignes du pain, bah, l'alimentation, les lignes d'énergie, gas line, je pense. Hein, donc les circuits d'alimentation en nourriture, en énergie et en finance. Collapse in dollar, le dollar qui va s'effondrer lui aussi, comme l'euro. Ça ne va pas rajouter des choses, quoi, de sympa. Hein. C'est le décor général, quoi. Plus rien à bouffer, plus d'énergie et plus de monnaie. Mad Max. Oui, Mad Max. Évidemment, Mad Max. Avec en plus des flics qui vont taper sur la résistance. Ou le genre de flics qui laissent passer les Black Blocs qui viennent détruire le mouvement fraternel, unifié, solidaire et efficace des Gilets jaunes. Ah ben oui, évidemment. Hein. Déjà que il est dans leur plan d'infiltrer ou de créer l'opposition de façon à pouvoir la maîtriser. L'idée de créer une opposition participant à la dualité, globalement, et ne vous proposant que deux solutions dans lesquelles, de toute façon, vous êtes perdant. L'idée, c'est de passer. Wes Penney le disait, si vous ne voulez pas participer à cette guerre qui a des importances karmiques, quelque part, dans la mesure où il y a un karma qui existe, qui n'est pas celui dont on vous charge d'habitude, mais qui existe a priori quand même, pour ne pas y participer, n'y rentrez pas. Mais ne pas y rentrer et survivre, ça implique d'autres choses. Ça implique qu'on survit. Et pour survivre, on fait comment? Ben, on fait comme avant, mais par nos propres moyens. Donc, c'est la méthode soulignée par Kim, parce qu'elle n'a rien inventé, hein, d'un système parallèle. Ben, ce qu'elle a inventé, c'est un petit peu le remue-toi les ménages, sors-toi les mains des poches et vas-y. C'est maintenant, c'est pas au retour des vacances. Il y a des gens qui sont partis en vacances qui ne vont pas en revenir. Ben, le prix de l'essence peut tellement flamber qu'ils vont vendre leur voiture pour payer l'essence. Oui, c'est-à-dire que c'est gênant là. Ça ne sert plus à rien. Ah bon, ça ne sert plus à rien. Ah, hein? Pourquoi faire puisqu'on n'a plus de voiture? Bon. Il y en a même qui vont user de leur corps pour se faire rapatrier, j'ai l'impression. S'ils peuvent se faire rapatrier, on ne sait jamais. Ça se trouve, ils vont encore faire des quarantaines délétères, hein, c'est-à-dire qui portent préjudice, qui ne servent à rien. Enfin, c'est comme les masques, quoi. C'est inutile et toxique. Et toxique et infectant, hein, les masques, hein. Et alors, c'est reparti comme en 14, là. Donc, pour la troisième année consécutive, on a des professionnels incompétents qui continuent à ouvrir leur gueule. On peut sortir la boîte à gifles? Je sens qu'elle s'agite, là, ma boîte à gifles. Voilà. Il y a la Marie qui me dit « Calme-toi, pépé !» Tu vois, t'as pas pris tes gouttes. Elle a raison. Elle a raison, c'est plus de mon âge, c'est connerie. Oh, vous foutez quoi, là, les jeunes sportifs de 30 ans, là, qui frimaient avec vos petites voitures de merde?
hors de prix, hyper moderne, qui tombera en rade. Je parle même pas de la version électrique actuelle. Tous les 200 km, on vous voit attendre pendant des heures en faisant tourner le nucléaire ou le charbon ou je ne sais pas quoi là bientôt. De toute manière, je ne sais pas quoi là bientôt. Et pourquoi le prix de l'électricité augmente-t-il en France alors qu'on est bourré de centrales? Il se passe quoi là? Je vous rappelle que ITER, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas, il y a d'autres versions d'ITER. Il y a une version chinoise, une version japonaise. Il y a d'autres. Je crois qu'il y a des endroits où ils ont mieux contrôlé les phénomènes plasmatiques qui provoquaient l'instabilité en fait, du réacteur en question. Et de toute manière, je vous rappelle qu'il y a les énergies libres et indépendantes, écologiques, dont on est privé depuis, je ne sais pas, mais au moins 1905. Nikola Tesla, c'est au moins 1905. On est en 2020, je ne sais pas, 2. Ah ouais, on est même le 13 juillet 2022. On est censé être en grève générale. Vous entendez parler d'une grève quelque part? J'aurais espéré que ça soutienne et que ça collabore avec les paysans et pêcheurs bretons. Oui, quand on entame une grève, ça nous coûte énormément. Quand un pêcheur fait la grève au lieu d'aller pêcher, il prend des dettes. Il en devait déjà, elles continuent de s'accumuler en général. Hein. Les paysans, pareil. Ben oui, parce qu'on leur vend du matos à millions de dollars. Alors, parce que c'est plus aux normes sinon. C'est vrai que trop pollué, c'est trop pollué, mais bon, enfin bon. Ben, enfin bon. Énergie libre et écologique. Ah non, 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 toujours derrière un diesel. 118 ans plus tard. Et non, je m'en fous de Nord Stream 2, Nord Stream 1. Je m'en contrecarre. C'est pas possible de rester calme en discutant de tout ça. Si, ça va l'être, ça va l'être. Il faut vraiment être con, quoi. Alors, tout de suite, on dénie parce que la science n'appuie pas le... Et la science, c'est les académies, c'est les entreprises qui nous vendent et nous raquettent sur l'énergie. Qui structure la science d'aujourd'hui, c'est les propriétaires de ces racketteurs énergétiques qui ont investi dans la presse aussi. Vous voyez, le gars, il est dans Big Pharma et dans la presse. Ah ben, Bill Gates, il est dans l'informatique, dans Big Pharma et dans la presse, et dans les gouvernements, et dans la santé. Vous voyez? Enfin, vous voyez, excusez-moi, cher public adoré, cher public adoré, dont même pas un pour mille ne pense de temps en temps à me verser un truc, si vous voulez, hein. Si vous voulez, hein. Si vous en reste, parce qu'évidemment, hein. Non mais la prune à 150 balles, vous la payez comme ça, hein. Bon, c'est pour l'État, c'est nous donc, on la récupère. Non, on ne la récupère pas. Pourquoi est-ce que c'est les taxes, et la Sécu et je ne sais plus quoi, la TVA, qui ramènent des sous à... Non, la Sécu ne ramène peut-être pas des sous. Normalement, elle pourrait peut-être. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. Hein. C'est connexe. C'est un sujet connexe. Pourquoi est-ce que l'État compte là-dessus pour avoir un budget? Ah, parce qu'il y a quand même au moins déclaré officiellement 80 milliards qui échappent au fisc par la grande fortune, 80 milliards de fraude ici, 80 milliards de fraude par là, et qu'en plus, on dépense des milliards pour financer la destruction d'un pays avec l'illusoire intention de baiser l'ours à côté. Là. On est un petit hérisson sous amphétamine américaine, otanique, ta mère. On va emmerder un ours.
Hérisson, parce qu'on est urticant, hein, on est piquant, quoi, hein, pas... Non, même pas, hein, on est une loutre. En ce moment, là, une loutre trans version éponge. Donc, faisons des réseaux secondaires et ignorons ces abrutis. Et ça tiendra à partir du moment où on a les forces de l'ordre avec nous. Si vous regardez Sonia Vesconacci, une policière espagnole de l'Union de la police pour la liberté, ou, je ne m'en rappelle plus trop, une policière espagnole qui a fait des classes à Marseille. Donc elle parle français de temps en temps et en ce moment elle interviewe des officiers ou pas. De divers corps de métier, pompiers, gendarmerie, police, qui sont de notre côté. Et qui disent, mais bougez-vous les fesses, prenez-vous en charge, arrêtez de suivre des ordres illégaux. Enfin, je sais pas, ils essayent de réveiller ces gens-là qui n'ont pas le niveau et qui viennent me donner des ordres. Je suis obligé d'obéir. Sinon, ils me tapent dessus, ils me font mal, parce qu'ils me font mal. Parce que c'est ça leur moyen de faire, c'est faire mal. Ou ruiné. Non, mais on est sympa, hein, on est super sympa. Hein, parce que vous sortez du commissariat, je ne sais pas ce qui vous empêche d'aller louer une barre à mine. Je te la ramène, je te l'emprunte. Et puis avec le peu de thunes qui reste, tant que le compte en banque n'est pas bloqué, recruter dans une zone quelconque des gens qui n'ont rien à faire là et qui pour 20 euros seront ravis. Bon, de faire une équipée sauvage et farouche, un peu quoi quand même, mais sans haine ni violence, hein, sans haine ni méchanceté. Non, non, non. Mais la violence, ben, on appellera ça comme on voudra, hein. Un mec qui licencie 100 personnes, c'est 100 familles qui n'ont plus de revenus, et c'est tant de suicides, tant de maladies, tant de vies loupées. Et c'est pas violent. Ah non, c'est très délicat. J'ai même d'ailleurs une douceur en dessert, vous voyez, en dessert. À la fin du grand reset, en dessert. Après, non. J'ai mon ordi qui délire. Et je ne peux pas réintervenir. Si. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui, là? C'est pas croyable. Bon, allez, on revient. Bon, on reprend tout? Presque. Voilà, on y va, là. Donc, le cash va disparaître, les monnaies vont disparaître, tout ce qui est des bourses et des finances, fini, les cryptos, fini. Ils vont quasiment faire basculer, l'interrupteur dans la nuit et, c'est échec et mat. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Il n'y a pas moyen d'en être exclu. D'une manière ou d'une autre. Ben, on va tous être impactés parce que ceux qui s'en passent déjà de tout ça, ils vont remarquer que maintenant tout le monde vient les voir et qu'ils vont devoir peut-être un petit peu doubler les brigades de nuit, les systèmes de communication, la mise à jour, la relation, la communication, le partage, le soutien, le recrutement, enfin pas mal de choses, quoi, hein, parce que ces réseaux-là nécessitent des corps de métiers divers et variés. Nécessaire, à moins que vous sachiez tout faire. Qui sait tout faire parmi vous? Ah non, mais moi non plus. Hein. Ah, moi, déjà, rien que dans la baraque, il y a 25 choses que je ne sais pas faire. Hein. L'électricité, la plomberie, tout ça, bon, ce ne serait pas tellement difficile de s'y mettre. L'électricité, c'est un peu complexe quoi, en ce moment, hein, quand même, non? Je ne sais pas. En ce moment. Sinon, si vous faites des branchements à l'asiatique, non, là, ça devrait aller mieux.
mais je ne sais pas le faire, c'est ballot. Hein. Alors là, je n'ai pas appris à faire ça. J'ai toujours trouvé ça hyper dangereux, quoi. Mais c'est parce que j'y connais rien, parce qu'a priori, ça explose rarement hein, dans les bidonvilles de Delhi. C'est un imbroglio de fil, ça flambe, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu j'ai jamais entendu les médias considérer ce phénomène-là comme étant aussi dangereux que furent les bouteilles de butane dans les cuisines des HLM. Ah, interdit. Ah oui, parce qu'il y a des accidents. Ouais, ben on n'a qu'à interdire les voitures parce qu'il y a des accidents. Pretty, mais je ne le crois pas. Encore une loi générale parce qu'il y a trois abrutis, ou pas abrutis, mais trois accidents. La sécurité à 100%, mais c'est quel malade qui veut vivre, qui croit vivre dans un monde où c'est possible, où c'est le but d'ailleurs en plus. Bon, c'était un petit peu extrême, mais il y a un gars qui disait là, merci pour tous les inconvénients parce que. C'est des dons de Dieu, il disait, mais bon, j'en suis pas là, moi. Hein. Par contre, j'y vois l'intérêt, j'y vois qu'à chaque fois qu'on est confronté à un problème, on se casse un peu la tête, on réfléchit, on interagit, on évolue, on passe le problème et on a évolué, normalement. Normalement. Parce que la solution nous a fait évoluer, pas parce qu'elle nous a fait régresser. Ce qui se passe aujourd'hui, là, tout, on régresse constamment, là. Toutes leurs solutions nous font régresser quelque part. On est de plus en plus limité, donc voilà. Hein, il n'y a pas tortillé. Allez, on ne tortille pas. Alors là, il parle. D'accord, il lit. Donc, ils ont le software, ils ont eu accès, ils peuvent voir tout ça se passer, comment c'est fait, pourquoi c'est fait. Comment ça marche? C'est un système à deux bouts, enfin à deux situations, oui, deux offres, une pour vous et moi et une pour eux. Ils vont devenir encore beaucoup plus riches que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Bon, ils voient déjà les futurs passeports, là, avec des domaines dans lesquels on sera à chaque fois noté. À propos de nos crédits, de nos déductions, de notre classe sociale, de nos privilèges, notre passeport numérique, citoyen, passeport citoyen, le compte en banque, ils peuvent voir. En temps réel, qu'ils travaillent sur les cryptos, le cash, les bons d'État, et les amènent à cette nouvelle monnaie digitale. Donc les élites y auront accès, mais la personne commune n'aura pas cette chance. Donc, vous savez qu'en anglais, ils ont inversé la virgule et le point pour les chiffres. Hein. Donc ça, c'est 27 188 dollars, virgule 52 hein, en français. Donc, ils vont offrir une garantie. C'est la solution, c'est le revenu universel là, par mois, mais pas beaucoup. Il y aura de toute manière un score social qui sera lié, et si vous comportez mal, il en ira de votre argent. Leur intelligence artificielle et leurs modèles montrent des peuples qui vont obéir. Ben oui, écoutez. Je ne peux pas dire le contraire là, pour l'instant. Il n'y a même pas besoin d'intelligence artificielle. Hein. Vous allez me signer un papier qui va vous autoriser à aller promener le chien pour vous-même. Moi, je vais vérifier que vous l'avez fait. Moi, je suis les forces de l'ordre. Alors, pédocriminalité, vous les oubliez, les dossiers, vous oubliez, fraude financière, vous oubliez, grand banditisme, trafic.
Vous oubliez, hein. Par contre, moi, je vais vérifier. Je fais partie des forces de l'ordre françaises. J'ai un écusson, un diplôme, une arme. Et j'ai le droit, c'est même mon devoir actuellement, de vérifier que vous avez signé pour vous-même un papier qui vous autorise à aller pisser, putain. Pardon. Et je fais partie des forces de l'ordre françaises et j'en suis fier. Je sais pas, là. Je ne sais pas, quoi. Mais vous avez mis vos langes ce matin. Caporal, vous avez votre lange? Pour les colliers. T'as mis tes couches? Sont propres? Donc, blabla. Donc, il y aura des classes S. Les célébrités, les médias, le gouvernement, ils seront tous des classes S ou souveraines. Ils n'ont pas de restrictions, ils n'ont pas besoin d'aucun spritch. Ils ont un accès illimité à la propriété, au capital. Il n'y a pas de section pour les taxes comme sur les autres classes, les taxes ou les amendes. Les amendes. Les pénalités, quoi, hein, financières. Alors lui, le pauvre Sir Frank Pillowy, je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, là, le titre, le nom, tout ça, en Australie, avec une identité biométrique donnée quand même, hein, ce qui signifie qu'il aura une identité. Eux aussi auront quand même une identité numérique, quoi. Eux aussi, ils seront sous contrôle, là, évidemment. Alors, le pauvre gars, là, il ne possède que 470 millions 72 878 dollars, virgule 53 cents. Il a un type de compte, genre souverain. Est-ce qu'il y a des limites sur le compte? Non. Est-ce qu'il y a des limites dans les possessions? Non. Le statut vaccinal, il en sera exempté. Non, parce que lui, il n'est pas contagieux. Et il y a une ligue des virus qui est en train de se former là. Oui, parce qu'ils trouvent que c'est de la ségrégation. Il n'a pas de taxe carbone ou de limitation carbone. Hein, non, ils peuvent venir vous voir en avion, lui. Donc, tout ce phénomène est comme ce qui s'est passé, je pense, pendant la pandémie. Faire monter la peur, garder les gens dans une position fragile et offrir une solution. Il y a une répétition de ce phénomène, mais là, on voit quelque chose de différent quand même, qui est très perturbant, très dérangeant. Avec les vax, il, quelque part, vous donne une sorte de choix. Avec ça, on ne voit pas de choix du tout. Avec ce dont il nous parle aujourd'hui, il n'y a aucun choix. Vous ne pouvez pas sortir de ce nouveau système de banque et de monnaie. Et par contre, il nécessite la pic-pic vax. Spritch. Ce qui est interdit, hein, légalement, il y a Nuremberg, il y a tout, il y a les effets, il y a la science, il y a les preuves, il y a l'intelligence, il y a les enquêtes sur les collusions, il y a le foutage de gueule, et il y a encore en mémoire de tous ceux qui les connaissaient, les prédictions, les commandements des Georgia Guidestones. Alors, je suis ravi d'avoir qui nous ont montré, qui nous aient montré la vidéo du mec qui arrive. Oui, je l'ai reconnu. Moi, je l'ai reconnu. Bah oui. Je ne l'ai pas remarqué. Regardez là.
Il saute comme ça. Non, vous n'avez pas vu? Il saute. C'est Scooby-Doo! Hein? C'est Scooby-Doo. Ouais, moi je l'ai vu. En plus, il met son paquet au pied, au milieu, ça pète. Ah, ça n'avait pas de flamme. N'y a pas de fumée différentielle. Ça pète même le petit carré central. Que sur le côté qui surplombe. Non, moi je pense que ça venait d'en haut. Paf! Et que c'est tombé comme un coup de marteau. Et que maintenant, vous pouvez toujours galérer pour aller chercher des extraits d'explosifs. C'est la première fois qu'on ne nous dit pas de quoi est composé l'explosif, hein, déjà. En plus, des personnages, on n'en voit qu'un. Il vient tout seul, là, il porte à la main. Il y a de telles charges aujourd'hui qui feraient ça, en plus. Compose comme ça, en vrac. Même pas on les fixe, même pas en. On provoque les meilleures conditions pour la déflagration et la destruction. Je ne sais pas, hein, moi je ne m'y connais pas. Si je m'y connaissais, je ne vous le dirais pas, mais je ne m'y connais pas. Mais aujourd'hui, on ne pourrait pas vous le dire si on ne s'y connaissait. Ne pense pas. Ce ne serait pas très fufute, quoi. C'est comme si je vous dis, en fait, je suis un super hacker et j'organise la résistance. Non, là, n'y croyez pas. Hein. Mais enfin, jamais vous en verrez un parce que quand même, ils ont deux, trois neurones dédicacés à leur sécurité interne, j'espère. Reprenons. Donc, si vous ne participez pas à ces classes spéciales, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous protestez, vous allez vous faire détruire votre compte en banque en ligne. Ils vont prendre des amendes de 50, 100 dollars ou euros ou couper votre compte en banque instantanément. Mais il y en a déjà qui se sont fait couper leur compte en banque. Hein. Ça s'est déjà produit. Puis en plus, vous pouvez monter une cagnotte de soutien. Paf, la banque prend position. La banque vous bloque. La banque vient vous bloquer l'argent que vous en donnez vos proches. Ça nécessiterait normalement un petit incendie local, hein? Une célébration à Bâle. En remerciement, hein? Bien sûr, mais oui. Ben oui, on ferait ça avec le personnel, bien sûr. Ben, c'est la moindre des choses, c'est grâce à eux. Hein? Oh, ils vont apprécier. Ça va leur faire monter en grade vers les cieux. Les cieux de l'enfer de Mammon, oui. Alors, on sera tous traqués. Il y aura ce score social. On sera sûrement classe C, commun, ou classe R, restreint, ou pire que tout, classe Q, carantiné. Comment on dit en français? Confiné. Sans cash, sans possession, sans liberté de parole. Et avec obligation, spritch, spritch. Il est intéressant qu'ils utilisent le mot de souverain. C'est comme s'ils nous avaient pris notre définition. C'est pourtant la classe dans laquelle nous voudrions être, celle qui offre toutes les libertés. Dont on peut toujours se demander pourquoi est-ce qu'ils en restreignent
une partie de la population. Je sais pas, en tout cas en France, hein, il devrait y avoir égalité, hein, mais et liberté et plein de choses. Hein. Mais on sait que ça ne correspond qu'à ce qui se jure entre eux, entre frères, sans éloge. Il n'y aura jamais un patriote qui aura cette dénomination ou cette appartenance à une classe S souveraine. Pas un seul. Alors là, donc, on sait où il bosse. Il est chez Q ou machin, hein, plus ou moins. Peut-être un petit peu quand même, hein, puisque patriote. Et à partir d'un certain moment, de certaines connaissances exopolitiques, mais plus profondes que ça, et philosophiques, voire économiques, on se rend compte que l'idée d'une autre gestion économique mondiale est intelligente, d'une part, et d'autre côté, que cette idée de patriotisme ne sert qu'à créer des divisions et des frontières entre les peuples qui eux-mêmes sont tous soumis d'une certaine manière aux mêmes racketeurs énergétiques, bancaires, ce que vous voudrez, sanitaires et autres. Voilà, donc il y a une différence entre lutter de manière sociale intelligente pour la survie et l'harmonie et l'évolution normale, quoi, vis-à-vis de gens qui n'ont pas le même système de pensée, ni les mêmes capacités de penser, parce que toute leur structure est différente, et qu'il serait peut-être intelligent de prendre ce qu'il y a de bon chez chacun. Parce que ce serait peut-être intelligent. Hein. Bon, alors reprenons. Donc, il n'y en aura pas un de patriote, ça nous laisse sans aucun pouvoir une fois que ce sera mis en place. Ils savent ça. Alors, soit on agit maintenant, soit on sera pénalisé, puni et même éliminé. Il va y avoir la guerre. Alors, ce qu'ils ne peuvent pas produire lors d'un temps de relative prospérité ou ce qu'ils ne peuvent pas se déroule dans un temps de relative prospérité ou pendant une récession. Ils ont besoin d'un collapse. Oui, il manque peut-être un mot là. What they can't do. Ils ont besoin d'arriver à ce grand reset par lequel, sur lequel ils travaillent sur tous les domaines. L'économie, le social, le mental, la politique, la science, la médecine, la situation de guerre, le crash financier, la bêtise ambiante, les divisions sociales actuelles, etc. Ils travaillent à tous les niveaux. Ils polluent l'air, ils polluent l'eau, ils polluent la bouffe, ils polluent les ondes, etc. Donc, ils ont besoin d'un effondrement et c'est ce qui se produit, ce qui est en train d'arriver. Les bases de cet effondrement, si on peut dire, sont mises en place maintenant. Il leur fallait vraiment changer d'ambiance par rapport au Covid, parce que, enfin, changer d'ambiance, vous allez comprendre, parce que toutes leurs ressources y étaient employées jusqu'à présent, donc il fallait sortir de la phase Covid. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais on l'écoute là, lui, hein, d'après ses sources. Enfin, la vérité est qu'ils pensent que les gens savent ça instinctivement et que de la nourriture en boîte et des fusils ne les sauveront pas. Les méchants sont trop puissants. Ils ont des tanks, des hélicoptères Apache et des troupes étrangères volontaires qui vont venir passer le bulldozer sur vos maisons. Smoke,
ils l'ont fait au Kosovo, ça, en créant le Kosovo avec des troupes, sans laisser le conflit se dérouler de manière normale, le conflit qu'eux-mêmes avaient allumé, bien sûr, hein, mais ce n'est pas le sujet là. Parce que, comme d'habitude, qui connaissez-vous qui haït vraiment son voisin jusqu'à vouloir aller le tuer? La personne normale qui a une vie de famille, patin, couffin. Non, parce que le petit jeune, là, normalement, ce n'était pas pour rien que la majorité, c'est tardif. Avant d'être chaman, il faut 35 ans d'expérience, d'expérience, hein, pas 35 ans de vie. Normalement, un bon praticien sanitaire a aussi des décennies derrière lui d'expérience et de mise à jour et de diversification et de généralisation. Alors, il reste de l'espoir dans le fait que son équipe explore la manière de détruire votre fiche sociale et de vote pour vous faire basculer dans la classe souveraine. Ils ont déjà testé ça et ça marche. Ils ont fait des faux papiers, quoi, en fait. Ils ont effacé le dossier tel qu'il avait été fiché par les agences gouvernementales. Ils ont effacé toutes ces données-là et ils ont fourni une identité numérique de classe souveraine à des personnes qui ont pu finalement être conçues mentalement, mais bon, pour une intelligence artificielle qui gère tout ça, comme étant du club. Il a vu ça. Il a trouvé que son dossier, c'était dans la classe commune, malgré le fait qu'il avait passé des années de service au service du pays. Ça l'a gonflé. Donc, il s'est fait transférer dans la classe souveraine. Et maintenant, pour lui, ça va être bon. Non, mais attends. Ça, c'est oui, ça, c'est bien. C'est une solution provisoire. Mais on ne va pas garder ce système qui gère, qui attribue des classes en fonction des désiderata de psychosociopathes criminels corrompus, enfin dont tout peut être remis en cause. Remis en cause. Donc ils ont fait généraliser ça pour tout son réseau, ça a marché. Donc l'idée, c'est d'effacer toutes nos données et de les recréer ou d'en recréer, c'est de faire le bureau des légendes là pour tout le monde. Le bureau des légendes, c'est une série d'espionnage. Donc, qui n'était pas trop mal. Je vous passe la propagande, je vous passe les méli-mélos, je vous passe tout ça. Sinon, c'était pas mal au niveau de mise à jour de la technologie, des stratégies, tout ça, un petit peu aussi. Et puis des coups durs et tout ça. Moi, j'avais bien aimé quand même. Mais vous savez, je peux me permettre de temps en temps des phases de. En me tapant des séries en accéléré, hein, évidemment. Quand même. Ah oui, vous pouvez accélérer en général 1,4, 1,7. Oui, facile. Des fois plus. Hein, il y a des passages où vous pouvez aller plus vite, des passages où vous ralentissez. Faut adapter, hein, c'est ça. Bon. Par exemple, là, leur historique de votants en tant que républicain devait passer chez les démocrates. Il vous crée un passé chez les démocrates si vous êtes républicain, et hop, du coup, vous accédez plus facilement. Enfin, vous êtes toléré par la machine, quoi. Mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les hackers, ils n'ont pas les moyens pour détruire le système, là, qui justement, parce que ça veut dire qu'on a les démocrates gagneraient et qu'on y est soumis. C'est quelque part, ce plan-là, c'est déjà admettre la victoire des enfoirés.
Moi, ça me gêne un peu, hein, vous voyez, pour le think positive, la PNL, la programmation prédictive, le je crois en moi, la souveraineté. Ça me gêne un petit peu, là. Bon, c'était un encart personnel. Ouais, ben, je suis un râleur, alors. Donc, ils l'ont fait pour tout le. Hop. Donc, il n'a pas dit tout ce qu'il savait jusqu'à maintenant. Ça viendra petit à petit. On sort ces données-là maintenant. Après, il va falloir qu'ils nettoient tout leur réseau et tous les gens qui s'y sont infiltrés. Une fois qu'on sera débarrassé d'eux, il nous révélera le reste. Quand il dit le reste, il veut qu'on imagine ce que ça pouvait signifier que de pouvoir avoir accès à ces comptes sociaux souverains. Imaginez qui c'est qu'il a déjà, par exemple, bien sûr, Gates, Klaus, ils en font partie, mais imaginez qui d'autre on a trouvé là-dedans. Non, ça ne m'intéresse même pas. J'imagine, ouais, je m'en fous complètement. Je sais bien qu'il y en a, hein, c'est clair. Mais là, je m'en fous complètement. On ne les connaît pas, a priori, quoi. Mais on imagine qu'il y a tout le gratin politique. Il y a peut-être bien même, d'ailleurs, des pointures des médias alternatifs. Oui, bien sûr. Donc, il n'a même pas parlé des changements au niveau de l'alimentation. Ils sont très sérieux lorsqu'ils disent qu'on va finir par manger des insectes. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont allergiques à la chitine, qui est une sorte de polymère des insectes, qu'on ne retrouve pas dans d'autres nourritures. Donc, plein de gens vont mourir, mais ils n'en ont rien à fiche. Oui, bon, bah, on le sait. Il n'y a pas de moyen d'arrêter ce qui va se produire. L'effondrement va se produire, c'est déjà en train. Moi, l'officiel est déjà en train de cracher. Est-ce que l'alternatif s'est bâti, existe, porte ses fruits? Se consolide, s'agrandit, se généralise. Ça, j'ai un énorme doute. Mais on ne le saura jamais, nous, hein, je pense. Hein. Les médias, pour l'instant, n'en parleront jamais. Et je suggère effectivement d'être plutôt discret par rapport aux communications Internet. Non, là, faut prendre des rendez-vous et se dire les choses de vive voix. Hein, point à la ligne. Le faire cacher. Hein, sous un parapluie, parce que si vous voyez un petit peu la clarté des images des drones en ce moment à la frontière russo-ukrainienne, vous hallucinez, quoi. Vous hallucinez. Et ces genres de drones satellites ont les moyens d'entendre ce que vous dites. Ils ont les moyens de capter vos communications, ils ont les moyens d'entendre ce que vous dites. C'est comme des canons, des micro-canons, oui, comment on appelle ça? Ben, ça vous permet d'entendre ce que disent des personnes dans la foule, au milieu d'une foule, vous le ciblez et vous entendez ce qu'il dit. Quand il parle. De toute façon, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la haute technologie, les programmes sociaux secrets, allez savoir, je suis bonheur qu'ils ont même les moyens directement électromagnétiques de capter ce qui se passe dans notre cerveau et de l'influencer. Si on est quelqu'un d'intéressant, je suis presque sûr qu'on nécessitera une protection électromagnétique, cage de Faraday ou autre, pour se protéger, pour être sûr d'être nous-mêmes aux commandes de nous-mêmes, quoi. Hein?
Donc, lui, il n'y a pas moyen d'en sortir, ça va être catastrophique. Bon, il nous remet une couche de flipper, braves gens, flipper, il s'occupe de nous. Il ne cherche aucune excuse pour éliminer les gens. Si vous n'êtes pas souverain, ils vont laisser s'accumuler vos amendes et vos violations jusqu'à ce qu'ils en aient assez pour vous liquider de manière légale, hein, parce qu'ils vont passer ces lois-là. Ils passent des lois illégales et les gens y obéissent. Je ne sais pas ce que font les avocats. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. J'étais kiné, c'est comme si un jour on m'avait obligé de travailler avec des pinces de soudeur, un étau, un masque de soudeur et de soigner mes patients à la baguette. Tiens, ça accroche là, oh! J'ai collé encore. Ah, tu m'étonnes. Tu t'es trompé de baguette. Excusez-moi. Il y a tout un réseau d'entre nous qui bossent ensemble. C'est Bill, c'est moi, c'est ce chapeau blanc qui ont les moyens de s'y connaître. C'est Dark Days, c'est l'ordre des hommes, The Order of Men. C'est le nom d'un site internet aussi. C'est plus encore. Et nous avons un plan. Ouais, vous avez un plan. Pour vous infiltrer dans un système qui n'est pas clair du tout, au contraire. Un plan de restriction, un plan de contrôle, un plan sous 5G, un plan de QR code, de puçage, même pour les souverains. Donc, Bill de Oculum Labs, c'est le nom d'un site aussi, est en charge d'une partie de tout ça. On a dispatché les responsabilités. On pense que ce plan peut fonctionner. Ça va dépendre des bonnes volontés qui nous aident et de votre support. Soutien, nous, le public. Voilà. Et c'était Gédéon. Gédéon, c'est tiré d'un personnage biblique. Il doit y avoir une raison pour laquelle. Ben bon, voilà. Trouver un nom héroïque, quoi, on va dire. À l'aura héroïque. Donc, il y aura d'autres vidéos qui seront mis en ligne bientôt, et on peut joindre leur réseau patriotique à ordre, enfin orderofmen.vixsite.com/join. Bon, une fois de plus, c'est un travail en ligne qui ne nous empêchera pas d'être donc repérés par toutes les agences et intelligences artificielles et algorithmes des sur-agences, hein. Qui peuvent naviguer au cinquième sous-web, là, au quatrième sous-niveau du web, du deep web, pardon, dont parlait Kim. Voilà, petite musique, c'est fini. Donc, je vais jeter un œil à la prochaine vidéo, et je vous dis si on continue ensemble ou pas, hein. Comme ça, vous avez le temps de prendre un petit café. Ben non, là, je fais pause, mais sur la vidéo, ça ne se verra pas. De la même manière que notre ministre sans limite ni borne se permet de copier-coller le programme de Klaus ou Karl Schwab. Klaus Schwab, hein, c'est Klaus. Ah, c'est Klaus. Et de vouloir nous l'appliquer. Hein. Lui, par contre, ben, il répète aussi ça. Il dit vraiment qu'il n'y aura plus de cash, il n'y aura plus de liberté, il n'y aura plus de liberté de parole, il n'y aura plus de propriété privée,
tout le monde sera obligé d'obéir. It'll collapse all the other current less monitored systems and there'll be one central system. And when they... Il y aura un système central, tout le monde sera contrôlé constamment. Do that, then they can tie it to everything. They can tie it to your social credit score. Ils vont tout relier entre eux, votre compte bancaire, votre santé, vos économies, votre passé, votre discussion, vos amendes, vos autorisations, vos taxes. Hein, il n'y aura plus besoin là, de vous demander trois fois les papiers. Vous savez, quand vous demandez quelque chose, il faut fournir des papiers qu'ils ont déjà en général. C'est-à-dire que quand c'est le fisc qui veut intervenir chez vous, lui, il a accès à tous vos dossiers sécu et autres. Lui, il relie tout ensemble. Par contre, quand vous vous demandez un papier, il vous faut faire comme si, vous étiez inconnu. C'est hallucinant de foutage de gueule, sauf si ça m'avait légèrement énervé, parce que vous imaginez bien que j'adore remplir des papiers administratifs à un tel point qu'en fait, je ne le fais pas en général. Ou le plus tard possible. Je le fais quand je sens que là, il y a un truc qu'il faut que je règle avant que ça foire sérieux. Mais bon, c'est pas très sérieux. Hein. Oui, ouais, c'est pour ça. Mais d'habitude, j'ai les secrétaires, mais là, c'est l'été, elles sont dehors, à la plage. Non, en fait, c'est dans le sable de la rivière qui est à sec. Hein. Elle est bien à sec. Ouais, il peut pas. Non, il peut pas. Ouais, d'habitude, quand même, en été, il y a des orages d'été. En juillet, en août, ouais, peut-être plus en août. Ouais, on verra. The U.S. doesn't need to eat as much red meat as it wants to, so they'll restrict it. It just becomes social engineering tool, the ultimate. Donc, tout deviendra un système d'ingénierie sociale. Ou l'est déjà, d'ailleurs. Control freak gizmo. I mean, this is really about people who like to control others. C'est vraiment le petit jouet de personnes qui veulent contrôler les autres. Alors, vous savez, hein, il y a un certain nombre de psychopathes parmi les PDG et ceux qui veulent être toujours chefs. Parmi les chefs, là, il y a un certain nombre de gens qui ont des traits psychopathiques, officiels. Hein. C'est officiel, ça. Mais bon, dans la compétition entre les requins, évidemment, on peut... ça peut être intéressant. Hein. Ben voilà. Bienvenue dans la jungle, quoi. Ah oui, ouais, ben oui. Et puis ces gens-là, ils habitent où? Ah oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est un réseau. On va appeler comment? Cadastre et descendance. Ou... Ouais. Cadastre et descendance. Enquête sur le cadastre et les descendances. Ben, les lignées familiales et les possessions. Voilà. On va enquêter là-dessus. Non, parce qu'il y a plein de propriétés à gauche, à droite, là, qui appartiennent aux uns et aux autres, qui se gavent à voter des trucs contre le peuple et qui habitent sur place, là. Il faudrait savoir un petit peu. Et puis, il y a leur famille qui bénéficie des largesses, parce que là, l'argent, comment on dit ça déborde et ça ruisselle. Ouais, ça ruisselle. Les passe-droits, les bons boulots, les bourses, les bonnes places. Ben oui, c'est pas une question de talent, c'est une question de talent de chèque. Ah oui, à propos, il n'y a plus de chèque. Hein. Alors, plus de cash, plus de propriété privée, plus d'intimité, une monnaie digitale, un passeport social, on va dire, à point. Hein. Alors, obéissez ou ils vous prendront le peu qu'ils vous donnent. On peut les arrêter. On a un bac d'or, on a tout ce qu'il faut. Joignez-vous à la lutte. Oui, mais alors, attention, hein, je ne suis pas en train de recruter pour l'Order of Man. Hein. Je vous rappelle, hein, si ça se trouve, rien que de s'inscrire, ça nous met déjà sur la liste noire. D'un, de deux, quoi d'autre? Ben oui. Rien que d'ailleurs, venir voir mes vidéos peut vous inscrire sur une autre liste noire. Ben... de gens qui ne seraient pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Véran, qui
shoot une femme enceinte avec un produit qui n'est pas fini d'être testé, et ce, à la télévision. Et en s'y prenant comme un pied. Enfin bon. Voilà, on fait une petite pause et on va voir si la prochaine est bonne. Donc là, ça c'est une vidéo des gardiens du Looking Glass qui se mettent en scène. Je sais pas ce que ça vaut vraiment, vraiment, hein. Alors leur compte Proton Mail s'est fait effacer sous leurs propres yeux. C'est les forces du mal qui luttent contre eux. Ouais, toujours pas de preuve, hein. C'est une voix artificielle qui dit un texte, quoi. Disappointed, and we feel Proton Mail deliberately did this on purpose against the forces are taking action against us because of the Donc, information ça we have. viendrait même de Proton Mail qui est basé en Suisse. Ah oui, alors c'est une référence, la Suisse pour la sécurité, mais non, même plus le secret bancaire. Alors bon, la précision des monstres russes, des monstres, pardon, non, 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 c'est Octogone, hein. C'est Geschwister, hein. C'est Isis et sa frangine, c'est des pyramides et des obélisques dans tous les cimetières locaux. C'est une police incroyable. C'est un pays même plus neutre dans lequel sont établies toutes les grandes entreprises internationales et certaines banques. Pas forcément à Genève, hein, il y a aussi Bâle, Zurich, il y a d'autres bleds. Hein. Les petits bleds. Berne, peut-être aussi. Il doit y avoir un sacré lobby à Berne, comme à Bruxelles. Alors, oui, non, la Suisse. Proton Mail, sécurisé parce que Proton Mail. Allez, chers petits résistants, venez tous dans cette gamelle-là. Non, il faut parler en code, il faut rien faire en ligne. Puis, de toute façon, maintenant. Depuis 2014, le FBI a sorti une loi qui leur permet, aux États-Unis, mais bon, vous voyez une grande différence, leur permet de revenir en ligne, surtout ce que vous avez écrit et mis en ligne, quoi, ou communiqué avec votre téléphone portable aussi, hein, au moins 2014, et de pouvoir revenir et se servir de manière rétroactive de ce que vous avez dit. Donc, il n'y a aucune évolution chez les Américains, déjà, ou dans la machine, hein, parce qu'ils n'imaginent pas que. Un enfant n'a pas la même politique et les mêmes idées de 8 à 14, à 18, à 25, à 30, à 35 et plus encore, normalement, pour ceux qui survivent, qui vont être assez rares bientôt. Oui, oui, donc, si il y a 10 ans, vous avez dit ah, oh, je chie sur ce gouvernement. Ils vont se servir de ça pour dire, regardez, il est antisocial ou il est anti-gouvernemental. Et, ouais, mais ça dépend, les gouvernements, ils ont changé. Non, mais je ne sais pas si ça rentrera là. Hein? Vous êtes rebelle. Oui, j'étais rebelle. Je vivais seul, une vie de patachon et de barreau de chaise, avec des aisances. Aujourd'hui, c'est différent. Je suis figé, je suis fixé, je suis marié, je suis ci, je suis ça. J'ai changé. Mais pourquoi je me justifie? Vous êtes qui? En fait, vous êtes qui, vous? T'es qui, toi? C'est la question qu'on se pose. Bon, alors, parmi ceux qui se posent la question t'es qui, toi, il y en a qui ont de quoi répondre, quand même, pour comparer, quoi. Puis il y en a que non. Hein. Donc, il faut se méfier de cela aussi. Bon, non. Donc, les forces négatives agissent contre nous. Ils ont été contactés par un groupe qui essaye d'exposer le plan mauvais. Ben, c'est ce dont je viens de vous parler, peut-être. Hein. Ils avaient besoin de temps pour préparer leur témoignage. Et maintenant, c'est prêt. Donc, c'est ce que je vous viens de lire, ça. You now must deliver on the promises we make to the great group of people trying to come forward. As you know, we were contacted by a group who is trying to expose a very evil plan. They needed time to prepare their testimony, and now it is ready. They said they would need our help, and the help. Donc, ce que je vous ai lu, c'est une vidéo qu'on peut trouver sous le titre de Les chapeaux blancs lancent l'alerte sur le grand reset social, enfin le software
de score social appartenant au plan grand reset, on va dire, ou amenant de toute manière au grand reset. Bon, il nous faut maintenant distribuer tout ça. Blablabla, blablabla. Il y a une chaîne Telegram, t.me/resist-the-reset-group. Donc, il faut lire l'écran là. Il y a bon, grand R majuscule, E-S-I-S-T en petit, grand T, H-T-E, grand R, E-S-E-T, grand G, R-O-U-P. Donc, Reset Group. Vous voyez ? Bon, c'est peut-être la première étape pour éveiller les gens à un certain travail de résistance. Mais sinon, ils vous font entrer dans la résistance. Et donc, vous pénétrez dans la lutte. Quelque part, je ne dis pas qu'il ne faut pas les soutenir, mais je dis qu'il faut mettre notre énergie ailleurs. Je dis qu'il nous faut bosser entre nous. Bon, on peut diffuser l'info, là. Ce sera une collaboration à la résistance, à leur résistance. Mais les 90% de notre énergie devraient, je pense, être projetés plutôt vers notre propre survie et notre entraide locale et tout ce qui va avec. Notre entraide, ça veut dire bâtir des écoles, bâtir des systèmes de santé, bâtir des systèmes de communication, d'alimentation, d'outillage, de services, je ne sais pas moi, de tout, quoi. Comme le monde d'où on sort, mais mieux organisé. Avec peut-être des domaines en plus d'études, genre… qu'est-ce qu'on fout ici sur la planète? Pourquoi? À cause de quoi? Jusqu'à quand? Tout ça, tout ça. Et dans quelles conditions? Et voilà. Et là, à l'occasion, vous pouvez cliquer sur les vidéos Pam de Thiers, rendre, avec un peu d'exopolitique, d'archéologie, de santé, de cristaux, d'énergie, voilà. Des trucs comme ça. Là. C'est intéressant pour meubler, justement. Ce que cherche, bon, pour cet attrait de l'homme pour le mystère, il est là, il est résolu là, enfin il est résolu. On y travaille, on va dire, voilà. Alors, eux, ils prennent en compte ce qui s'est passé au CERN. Someone has created a Telegram group in our name. We have no control over it. We hope the creators of that group use our information in good faith, and we hope the group is not controlled by the negative forces. We have one. Final. Vous savez que bon, ben je vais lire. Vous devez savoir une chose. Vous devez savoir que les forces négatives libèrent des hordes d'entités qui vont remplir l'internet avec des mensonges, de la confusion et de la négativité. Gédéon les appelle les agents payés. Il est en accord avec nos propres sources et que ça a un rapport avec le CERN. Cette invasion d'entités. Ces entités peuvent endosser une personnalité humaine et interagir avec les données sur Internet. Certains les appelleront même des bots ou l'intelligence artificielle. Mais ils ne sont pas ça. Ils ne sont pas des créations humaines ou générées par ordinateur. Vous devez être au courant que ces entités vont aussi essayer de faire tout ce qu'elles peuvent pour vous tromper, pour vous dissuader, pour vous distraire et pour vous démoraliser. Ah oui, mais alors c'est hallucinant, hein, les gens ils continuent à entretenir la peur. Il y a des choses qui ne leur plaisent pas, il y a des choses graves, et ils finissent leur phrase par « ça fait peur ». Pourquoi ? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? Ça n'a rien à voir avec la peur. Vous en voulez ou vous n'en voulez pas, ça n'a rien à voir avec la peur. Et puis merde, il y en a marre de ces gens qui ont peur de tout, là.
Vous avez mis des roulettes quand vous avez attaqué le vélo, et un casque, et des coudières, et des genouillères. Et vous l'avez fait tourner dans une salle de bain pleine de coton. C'est quoi, là? C'est, à l'extrême, on pourrait dire, la bidoche est faite pour saigner. J'en suis pas là. Hein. Par contre, le plaisir et le bonheur, c'est un niveau d'équilibre et qui est agréable, lui déjà, entre le bonheur constant et le malheur constant, où enfin, ouais, c'est une grande discussion. Donc, reprenons. Donc, là, il se répète. Il nous faut résister à toute leur négativité de tout notre être. Gédéon a partagé des choses qui sont si effrayantes qu'ils craignent que ça décourage les gens ou que ça enlève la confiance dans le public envers son équipe et son bon résultat, ses bons résultats, son bon boulot. Donc, il espère qu'on va travailler aussi sur le côté positif des choses, la relativité, justement, comme à l'instant, quoi, et la précision. Hein, soyez sérieux, quand vous lisez un mot ou quand vous le prononcez, je ne sais pas moi, rendez-vous conscience de ce que ça signifie. Faites gaffe à ce nouveau vocabulaire dans lequel on vous fait passer des notions qui n'existent pas ou des notions qui sont antithétiques l'une en elle-même. Et donc, blablabla. Il leur reste encore beaucoup à partager avec nous, mais le temps est compté et il nous faut revenir le plus tôt possible. Oui, je ne sais pas, tu as peut-être d'autres trucs à faire, ça ne nous regarde pas là, hein, c'est à toi de bouger. Et voilà. Bon, mais c'était les trois vidéos que je voulais discuter ce matin. Il est déjà 14h02 et donc ça fait bien 2 heures qu'on y est, enfin que j'y suis. Non. Donc je vous remercie d'avoir suivi, bon courage, on passe entre les gouttes et les aiguilles, on tient bon, qu'est-ce qu'on peut raconter encore? On essaye d'aller discuter, pas forcément de ce genre de vidéo-là, mais de l'ambiance générale, pratique, sociale, locale, avec quelqu'un dans la journée au moins, et on lui parle d'un sujet sur lequel il n'y connaît rien, avec 2-3 petites preuves, pas longtemps, hein, juste histoire de dire, bah, tu vois là, regarde les masques, par exemple, regarde, il y a 150 études qui prouvent qu'ils sont inutiles et toxiques. Regarde, dans une salle d'opération, au bout d'un mois, en comparatif, il y a eu moins d'accidents sanitaires dans la salle d'opération où le personnel ne portait pas de masque. Je crois que c'est une étude danoise. Toutes les entreprises qui soutiennent ces lois, ces décrets, ces projets et ce crime, hein, surtout chez les enfants, en plus c'est un crime chez tout le monde, à plus ou moins grand impact, on va dire, hein, mais c'est un crime à chaque fois. Elles ont à y gagner et elles ne partagent pas vos bénéfices avec vous, au contraire. Au contraire. Bon, donc voilà, je ne sais pas, c'est tellement évident, je ne sais pas, peut-être que l'image de vouloir empêcher les moustiques de rentrer en protégeant ses fenêtres avec un grillage à poules, ça pourrait convenir, c'est à peu près là qui se passe, hein, entre la taille du soi-disant virus
et la taille des mailles du masque. Bon. C'était marqué sur la boîte, ne protège pas des virus. Non. Il ne protégeait pas de la grippe, il est censé protéger du SARS-CoV. 90% de ceux qui ont des problèmes à l'hôpital, sérieux, sont double ou triple stretch. Oui. Bon, ben. Je ne sais pas, moi. À bientôt. Salut.